Voilà, le replay est lancé. Du coup, comme je disais, on repart après nos mésaventures dans les champs et dans les marais. Si vous vous souvenez, j'étais resté bloqué dans un niveau des marais, justement. À cause d'une énigme complètement débile. Ah non, ah oui, je m'étais fait toucher comme un débile aussi avec lui là. À cause de lui. Ouais, ouais, sois prudent, Vati, les créatures, ça, tu peux vaincre, Link, mon ami, tout ça. Alors du coup, je sais pas trop quand sortira le replay de cette série-là. Puisque je... En fait, je, généralement, les replays de Zelda... Je les balance les jours où j'ai pas de replay, c'est-à-dire que la veille je n'ai pas live. Comme ça, ça vous fait quand même quelques petites vidéos à regarder. Du coup, je sais pas quand est-ce qu'il sortira celui-là. Mais bon, il sortira bien un jour, ça, ne vous en faites pas. Allez, on ressort. Ouh, on en profite, on a fait tout brûler. Parce que je rappelle que quand on fait tout brûler, on a plus de chances de choper des gemmes dans les... dans les herbes. Voilà le timer, j'avais pas vu. J'avais pas vu le timer. Wouhouhou. Du coup, comment ça va, Luna? Timer. Allez, go. Hop là. Hop, on reprend. Le choupetail. Je me sens en sécurité sous ma couette. Et c'est ce qu'il faut, c'est ce qu'il faut. Alors, le timer est à 3 secondes, on va pas sortir maintenant. Eh, maintenant on y va. Ça va bien aussi, je te remercie, Luna. Même très bien. Oh, le coup débile que je me suis mangé. Hop, on va en profiter. Voilà. Alors là, si je me souviens bien, on va aller chercher une plume. Même plusieurs plumes. Nullier. Allez, je vais essayer de pas traîner, comme ça on peut speedrun un petit peu. Hop là, hop là, hop là. À l'aise. Y a pas à dire 4 lignes pour désherber, c'est quand même le rêve. Le rêve de tout jeu Zelda où tu passes des heures à désherber pour ramasser quelques petits rubis. Là au moins on est 4 à le faire, ça 4 fois plus vite. Ouais, je suis assez fort en maths. Ok, là y a que des plumes. Wouhou!
Oui. Oui. Eh, viens là, le piaf. Dulier. Bon, on a perdu le... la gemme, mais c'est pas grave. Hop là. Du coup. Voilà. Voilà. Quelques petites gemmes. Et le fameux yay. Je suis pas tombé. C'était chaud là. Un petit réceptacle de cœur. A 4 sur un nénuphar, je serais tellement pas en confiance. Tu m'étonnes. Voilà. Ah, c'était un caillou. Un caillou silencieux celui-là. Ah non, je voulais lire. Bon, tant pis. Hop là. Ah. M'en fous. Bon. J'ai tenté de run un petit coup, mais même pas. Le jeu ne veut pas. Tant pis. On se calme, on se calme. Tut tut tut. Tu vires là. Oh là, je pourrais pas aller le chercher. Toi, tu meurs. Hop là. Allez. Dommage, j'avais un petit combo là. Raté. Aïe. Bon, le boss maintenant. Molé. Hop là. Voilà. Yay. Je dois être sadique, mais j'adore leur cri quand ils meurent. Moi perso, j'adore le cri que, quand on ramasse des grosses gemmes. Le yay. J'adore. Wihi. La vache, on s'est propulsé par des auras qui nagent dans du poison. Quand même pas mal. C'est concept. Allez, le Link bleu. Et vous voulez aller trop vite. Hop, on va choper le piaf au passage. Voilà. Yeah. Ah non. Et le meilleur, le Link rouge. Hop là. Voilà. Yay. Yay.
Oui, le problème, bah, c'est des auras qui nagent dans du poison. Voilà. Ah oui, alors là, non. On va laisser les autres Link ici. Ah, merde. Ouais, à vouloir aller trop vite. Coucher. Mec, j'ai atterri sur la gueule. Mais il m'aide, hein, il est gentil. Ils sont gentils, ces auras. Hop, hop, hop. Pourquoi tu nages pas dans du poison, toi? Ah non, apparemment... Non. Je crois que là, on en a eu la preuve. J'ai failli me jeter dans l'eau. Et le Link rouge. Qui a le saut le plus facile. Voilà. Hop là. Yay. Alors qu'est-ce que c'est ça déjà? Ah oui. Oui, oui, oui. Bon. C'était trop loin. Hop, hop, hop. Bon, les autres. Ouh, j'ai failli me jeter tout seul. Allez, descends, c'était juste. Ouh. Un cœur supplémentaire. Et une gemme de plus. On est déjà à 300 gemmes de l'épée niveau 2. C'est pas mal. Ah, alors attends. Voilà. Et on est arrivé devant le cimetière qui... Ah non, pas encore. Je crois que c'était déjà... Ouais, meurt. Meurt. Yay. Allez, plus que 200 gemmes. Et on a récupéré la zone qui m'avait traumatisé la dernière fois. Oh non, je crois que c'était celui-là. Voilà. Vous vous souvenez quand j'essayais de passer ça, que je savais pas ce qu'il fallait faire et que j'avais pourtant essayé de taper ici? Ah bah j'avais fait trop loin, parce que du coup, quand on le fait par ici, ça casse le truc en bas, le pot en bas. Bon, on peut tomber aussi. Calmez-vous, les Link, on se calme. Voilà. Comment on a l'arc? Voilà qui m'avait fait galérer la dernière fois. Je ne trouvais pas où est-ce qu'il fallait aller. Aïe. On se calme les cailloux là. Voilà, du coup. Alors j'ai oublié un coffre. Mais normalement... Ah voilà. Exactement, Luna, on peut y aller.
Tip. Donc, maintenant on peut pousser ça. Voilà. Sauf que avant de continuer, je vais quand même retourner en arrière parce que j'ai zappé deux zones où je suis censé pouvoir aller. Bon, Dark Link, t'es bien gentil, mais tu t'en vas. Alors je sais qu'il y avait celui-là. Celui-là c'était quoi? Ah ouais, ça c'était une fontaine des fées. Voilà. Et il me semble qu'il y avait un autre coin où il y avait des coffres. Plutôt je peux avoir la... Plutôt je peux avoir l'épée niveau 2, mieux c'est. Donc, c'était où? Je crois que c'était par là. Non. 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 Aïe. Voilà. Et là, il y avait des coffres. Allez, plus que 100 gemmes. Et... le bracelet de force qui nous réduit les dégâts infligés, enfin qu'on nous inflige par deux. Bon là il y a toujours le mob chiant. Est-ce que je peux le tuer comme ça? Non. Bon, au pire on s'en fout hein. Au pire aux F comme on dit. Voilà. Ah oui, donc là on va se refaire attaquer. Le safe spot. Voilà. Et du coup on peut continuer. Tip. Ah. Aïe. Hop là. Une clé. Ah mais... voilà. Et salut Milaxwell, ça va bien, merci. Et toi, comment vas-tu? Ulié! Pour l'instant, je peux pas faire plus. Ouais. Regardez, il n'y a rien d'autre. Ok. Tip. Ah, j'ai raté. Ah non, je l'ai eu. Je pensais que je l'avais raté. Ah mais, bande de débiles. Bande de débiles! Wouah! Il se passe des trucs chelous! C'est vraiment passé des trucs bizarres! Après, je dis ça, je dis rien. Oh! Ah,
L'épée niveau 2. Elle peut maintenant repousser le mal. Aïe. Aïe. Un cœur supplémentaire. On se casse. Ah oui, la perle de lune. Ah, je me souvenais... C'est vrai qu'on avait besoin de ça. Oh, va falloir retourner tout là-bas. Je me promène. Je me promène, je me promène. Voilà. Donc. Ok, là on peut passer par ici. Là, on peut passer derrière l'arbre, mais il n'y a pas grand-chose. Ok, dans le monde des ténèbres, je ne peux pas pousser les... Ok, en fait, je peux rien faire. Je peux juste passer ici, d'accord. Ok. Allez, les fantômes, venez! Ah, je peux pas les taper, d'accord. Oh! Oh, mourez. Eh, hey, y en a une, il a survécu. C'est sur Wii U. Non, non, je suis sur émulateur GameCube. Bracelet de force. Tu pourrais porter la terre entière. C'est dangereux par ici. Tu devrais pas traîner comme ça. Ce type ténébreux sème le trouble ces derniers temps. Il te ressemble. Je m'appelle Damp, je suis chargé de l'entretien du cimetière. Mais en ce moment, je n'arrive à rien, je suis désespéré. Ces créatures font comme chez elles, ni plus ni moins. Écoute mon garçon, une légende parle d'un miroir dans lequel une tribu serait enfermée. Je crois qu'il est caché quelque part dans la forêt de lumière. Il y a peu, des nuages noirs se sont mis à planer au-dessus de la forêt. C'est devenu la forêt des ténèbres. Il n'y a pas de doute, c'est de mauvais augure. Alors j'aimerais bien essayer de tuer le... Le dernier fantôme. Delia ! Par la puissance de la lumière ! Vas-y, approche ! Haha ! Voilà. Merci. Je savais pas qu'il y avait un Force Sword sur GameCube. Ouais, il est sorti il y a un petit moment déjà, ça vous en doutez. Mais voilà. Maintenant, on peut ramasser l'arbre. Dégage, Tingle. Il est sorti après le Force Sword sur Game Boy Advance. Alors là, techniquement, j'y vois rien. Hein. D'accord. Ok, je resterai en dehors de la lumière. Promis, je reste en dehors de la lumière. Non, sérieux, promis, j'ai... Bon, d'accord, elle veut pas me lâcher, donc là, je vais avoir du mal. Bonjour. Je suis venu me recueillir sur la tombe de mon épouse. Soudain, elle m'est apparue. Elle m'a dit qu'elle voulait se recueillir sur ma tombe. J'aimerais qu'on me dise le qui de nous deux est le fantôme. Remarque, tu bouges bien une maison pour déraciner un arbre.
Alors déraciner un arbre ne devrait pas m'étonner. Mais maintenant qu'on a les bracelets de force, non, c'est pas étonnant. Puisque dans Zelda, les bracelets de force, c'est un petit peu le Saint Graal, hein, j'ai envie de dire. Une fois que t'as ça, tu peux tout faire. Aïe 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 aïe, chaud 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 chaud. Mais passe au milieu. Cet arbre-là, j'imagine. Bon, y'a Tingle qui arrive, j'imagine. Voilà, Tingle, tu vires. Ce sont mes. J'aime. Ah, celui-là aussi, j'ai comme arbre. Ah, celui-là, y'a pas de gemme dedans. Brûle! Par le feu, soyez purifiés. Ha! Ha! Ah non? Ah bon? J'ai compris. Tiens. Tiens. Il y a un truc au milieu. À mon avis, on le verra quand on aura tout allumé. Et le meilleur, le Link rouge. Voilà. Allez, c'est parti pour le boss. Ah. Est-ce qu'il faut que je laisse la lumière? Oula. Facile ce boss. Bon. Et salut Freezer, comment ça va? Ah. Et ça va très bien, je te remercie Freezer, j'espère que toi aussi ça va. J'espère que t'as passé un bon Noël. On va save. Bien évidemment. Bon. Et comme d'habitude, petite coupure replay et on relance de suite. Comme ça, ça fait des épisodes pas très courts, et au moins on a des niveaux complets.